Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bubos. Cette semaine, on continue l'établi. Si vous avez raté, je vous mets le lien en haut dans la vidéo de la première partie et à la fin de cette vidéo. Donc ça y est, la structure de l'établi est maintenant terminée. Je vais faire les aménagements. Il va comprendre différents tiroirs ici, un support pour ma future défonceuse, ça fera partie d'un autre film complètement indépendant, et du support de ma scie sous table. Allez, on y va.
Bien, bon, vous avez vu, on a bien continué. Ici, j'ai tout fixé, sauf celui-ci, la planche de l'établi. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez vu, j'ai laissé ça beaucoup plus bas pour pouvoir mettre des calices en dessous pour régler la hauteur, pour être parfaitement parallèle au plan de sortie de scie. J'ai fait, comme vous avez pu voir, tous les assemblages ici avec le Craig, donc les vis inclinées. Je trouve que c'est pas mal pour ce type d'assemblage. On arrive bien à voir ici, vraiment bien à fleur, bien au bord. J'aime bien cet assemblage-là. Bon, bah maintenant on va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire ? Un tiroir ici, trois tiroirs ici et un tiroir là-bas au fond. Alors, ça sera des tiroirs sur mesure. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous le mets en lien là-haut pour voir comment on détermine toutes ces dimensions. Moi, je mesure, je prends mes cotes et on découpe tout ça. Allez, on y retourne. We'll be right back.
Bien. Bon, ça y est, les tiroirs sont maintenant terminés. On va pouvoir les fixer. Donc les trois tiroirs ici dans cet ensemble, celui-ci ici et le grand que vous voyez ici, ici là-dessous. Bon. Pour la fixation des tiroirs, comme d'habitude, j'ai utilisé de la colle PU. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Une colle Sader bois extérieur PU. Ça marche très très bien pour ce type d'assemblage. Bon, il existe différentes marques. Moi, j'utilise celle-là parce que c'est celle-là que je trouve près de chez moi. Ensuite, pour les coulisses, j'ai utilisé ce type de coulisse qui est une coulisse à ouverture totale. Tiroir plus de 45 kg. Ce qui fait qu'ici, vous voyez, je vais pouvoir mettre ma coulisse ici et je vais pouvoir sortir le tiroir totalement pour avoir accès à l'ensemble du tiroir. Pour la colle PU, je reviens dessus parce que c'est pas toujours évident. Moi, j'en mets toujours un peu de trop, mais vous avez vu, après, une fois qu'elle est gonflée, ça va vite à enlever avec un couteau à enduire ou un ciseau à bois. Allez, on va continuer. Maintenant, on va installer l'ensemble des tiroirs là-dessous. Ensuite, les façades et un peu de finition. Allez, on y retourne. Bien, comme vous avez pu voir, ça y est, j'ai fixé sur les tiroirs la réglette, ici. Donc là, je l'ai fixé sur les trous qui sont en blonde pour pouvoir avoir un petit réglage. On va faire la même chose ici. Moi, je ne m'embête pas, vous voyez, je pose les coulisses sur une table bien droite, je la fixe sur le tiroir. Et ici, j'ai mes deux cales de 1 cm que je vais venir plaquer ici, de chaque côté. Je viens prendre la coulisse ici, et je viendrai la fixer. Bien sûr, ce que je n'oublie pas, c'est de prendre l'épaisseur de la façade du tiroir qui viendra ici, en décalage ici, pour l'affleurement du tiroir. Voilà, allez. On fixe maintenant les équerres et ensuite on rajoute toutes les vis de fixation sur les charnières. Allez, c'est reparti!
Bien, voilà. Voilà mon établi. Après le ponçage, la pâture, voilà le résultat. J'ai mon poste de travail pour mes découpes qui se trouve ici. Donc je me mets là et comme ça ici, les planches vont pouvoir rester sur l'établi. J'ai préféré dans ce sens-là que dans l'autre sens. Ici, en façade, vous retrouvez tous les tiroirs en ouverture totale. Alors, j'ai vraiment accès à l'ensemble des tiroirs, comme vous pouvez voir. C'est vraiment accessible à tout. J'ai préféré faire une petite rainure ici pour venir attraper le tiroir. C'est un peu délicat, je vais voir à l'utilisation. Mais comme ça, au moins, ici, vous verrez, je n'ai rien qui dépasse. Pas de poignée, parce que je ne voulais pas qu'il y ait quelque chose qui dépasse de l'établi. Voilà, voilà le résultat. Moi, j'en suis super content. Bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, de partager, d'en parler autour de vous. N'hésitez pas dans les commentaires, allez-y. Bon, le goût, les couleurs, ça, moi, ça me plaît, ça ne regarde que moi. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!